suivez l'info sur Guyane la Première. Que par ce biais, le biais de cette réunion avec Madame le maire de Cayenne, on puisse obtenir un début de solution. Maintenant, attendre quelque chose, vous savez, on nous promet tellement à chaque occasion, à chaque réunion, on a l'espoir qu'il y ait une solution, en tout cas, laquelle on ne sait pas. D'ici là, comment faire pour la filière pêche? Est-ce qu'on attend que ça passe? Comment on fait, en fait, pour maintenir son travail? Eh bien, écoutez, on fait comme toujours. On souffre en silence et on espère que la tempête va passer vite. Ils veulent d'abord une indemnisation, puisque avec les sargasses, pendant 3 mois, ils ne pêchent pas. Donc il y a une perte de chiffre d'affaires. Deuxièmement, il nous faut aussi penser à une ingénierie, puisque c'est un phénomène qui revient apparemment chaque année. Donc il faut quand même anticiper et trouver des solutions pour empêcher les sargasses d'arriver chez nous. Donc je pense que je demanderai justement une ingénierie et je vais certainement me reposer sur celle qui est déjà utilisé par la Martinique et la Guadeloupe. Au retour, je les réunirai à nouveau pour leur faire part des discussions, en tout cas des avancées, des réponses du ministère. Et puis, à ce moment, comme ils l'ont proposé, qu'ils fassent un front des pêcheurs guyanais, martiniquais et guadeloupéens pour pouvoir se battre. Suivez l'info sur Guyane la Première.